Chatrai et chère communauté, bonjour, bienvenue à tous et à toutes pour cette journée ici au Hameau du Bas. Aujourd'hui, nous sommes le 25 mai de l'an 2017 et on est dans la salle Assemblée des Étoiles. Nous sommes tous des étoiles. Donc la salle, c'est l'Assemblée des Étoiles ici au Hameau du Bas, qui est le temple du nectar du Dharma. Ce matin, avant d'enseigner, je suis allée marcher et il y a un endroit que j'aime beaucoup ici au Hameau du Bas. C'est, on descend et puis il y a la forêt. Il y a un endroit où il y a un petit ruisseau qui se transforme comme une petite mare ou... Et ensuite, il continue le ruisseau. Et donc, je marchais aussi, je marchais pieds nus pour apprécier, car il fait le temps est assez doux, et pour apprécier la terre, l'herbe qui est humide le matin, et d'avoir cette sensation sur mes pieds. Et ensuite, je suis rentrée dans la forêt. Donc, l'herbe, en fait, s'est transformée, c'était que de la terre. Et puis en marchant, je marchais sur une des rives de ce ruisseau. Et je pouvais voir sur l'autre rive, c'était le soleil faisait scintiller les arbres. Et je pouvais voir le soleil qui faisait des reflets un petit peu partout, sur les arbres, les feuilles. Et sur la rive sur laquelle je me trouvais, c'était un petit peu plus ombrageux, plus sombre un petit peu. Et donc je regardais ainsi et je suis passée doucement sur l'autre rive hein, en marchant par le petit sentier. Et là, je me suis assise quelques instants sur cette autre rive et je contemplais donc la rive qui était un peu ombrageuse avant et un peu qui paraissait un peu sombre. Et là, j'ai vu que le soleil aussi se reflétait sur les arbres, sur les feuilles. Et c'était un moment très beau, de douceur, de calme. Et pendant, j'ai vécu ici au Hameau du Bas et puis dans d'autres endroits, mais pendant 5 ans, j'ai vécu dans notre petit monastère qui se trouve à côté de Paris, à Noisy-le-Grand, dans la banlieue parisienne, à côté d'une très belle rivière qui s'appelle la Marne. Et je ne sais pas si peut-être beaucoup d'entre vous, français, qui habitent en France, ou autres, hein, pas forcément français, ou autres, qui connaissaient la Marne. Et c'est une très très belle rivière. Et la Marne, ça veut dire la mer nourricière, hein, en fait, la Marne, ce que ça veut dire. Et souvent... parce que notre monastère qui s'appelle la Maison de l'Inspire est assez petit, c'est une maison qui est assez petite, grande, mais comparée ici au village, c'est assez petit. Et donc, après, tous les jours, j'allais marcher le long de la Marne. Et j'ai beaucoup appris de cette rivière. Et notre maître nous disait que en fait, cette rivière, c'est notre salle de méditation. Je pense que je vais bouger un petit peu le micro. Là. Et des fois, quand j'appuie sur des lettres, ça, j'ai l'impression que ça résonne un peu, non? Non? Et donc, notre maître nous disait que marcher souvent et contempler cette rivière, c'est votre salle de méditation. Bien sûr, à la Maison de l'Inspire, il y a une salle de méditation. Mais il nous conseillait et nous disait, allez passer du temps le long de la rivière. Donc c'est ce que je faisais presque tous les jours. Hein. Et je m'arrêtais le long de la rivière hein, pour la regarder, simplement la regarder passer. Et de voir son flot continu. Il y a des jours où elle était plutôt immobile et certains jours, la rivière coulait beaucoup plus rapidement. Et certains jours, certains moments de l'année, la rivière pouvait même être très très haute
et très tumultueuse. Et en voyant cette rivière qui coulait, je pouvais vraiment m'apercevoir en fait que les choses, la vie s'écoule. Chaque moment de la vie est différent. Et moi-même aussi, je suis différente. La personne qui regarde la rivière est différente. Et aujourd'hui, j'ai pensé un peu, j'ai pensé à partager à propos de la rivière. Parce que la rivière, c'est une image en fait qui peut représenter beaucoup de choses. Donc je vais vous offrir une métaphore qui est avec la rivière. Qu'est-ce que cela représente ce matin, la rivière, pour nous? Et ce que je vais utiliser comme métaphore, ça va être que la rivière va représenter nos émotions, les turbulences dans notre vie, peut-être notre colère, notre tristesse, notre désespoir, notre jalousie, notre confusion, notre mal-être, nos souffrances. Et ça va représenter cela, la rivière, ce matin. Et donc la rivière peut être très calme, c'est-à-dire que nos émotions sont, tout est paisible. On peut voir dans le fond de la rivière. Et quelquefois, la rivière, elle peut se transformer en un torrent qui dévaste tout sur son passage. Il y a quelques années, je suis allée faire une randonnée dans les Pyrénées, et c'était l'année où il y avait eu certaines rivières qui s'étaient transformées en torrents, qui avaient emporté des villages, des voitures, des routes entières. Et c'était en fait des rivières très calmes, mais soudainement elles s'étaient transformées en torrents de boue. Et j'étais passée par certaines de ces villes et villages, et c'était assez impressionnant de voir cela. Donc nos émotions aussi, elles peuvent se transformer en torrents qui nous emportent. Et lorsque je marchais le long de la Marne, ici, en marchant, il y avait un endroit particulièrement, c'est-à-dire d'un côté de la rive de la Marne, il y avait une très belle forêt avec plein de fleurs, des chemins dans la forêt. Et de l'autre côté, un très beau lac, un très très beau lac. Et il y avait une passerelle, il y a une passerelle entre les deux où on peut couper assez rapidement, passer de la forêt jusqu'à l'autre rive. Et donc souvent je passais comme ça par cette passerelle pour aller voir et marcher au long du lac ou faire de la bicyclette autour du lac. Et pendant toute une période d'une année, enfin peut-être même un peu plus qu'un an, la passerelle a été retirée. Donc il n'y avait pas de possibilité de couper. Il fallait que je fasse un plus grand détour pour arriver de l'autre côté de la rivière. Et aussi l'été, ou au printemps, l'été en automne, et la ville de Noisy-le-Grand mettait des bateaux pour pouvoir passer de l'autre côté de la rivière. Donc si on voulait, on pouvait utiliser le bateau et passer de l'autre côté de la rivière. Et aussi dans la Marne, mais aussi dans beaucoup, sur beaucoup de rivières en France et ailleurs, il y a des îlots qui sont pour les animaux, les oiseaux, ils peuvent se réfugier dans ces îlots. Donc il y a des petits îlots ou des îlots qui sont beaucoup plus grands, dans lesquels on peut trouver toutes sortes d'animaux, où ils prennent refuge. Ils s'arrêtent, ils viennent là quelques instants et ils sont en sécurité. Donc c'est un peu comme la maison de l'Inspire, par exemple. C'est un refuge pour beaucoup de Parisiens ou des personnes qui passent par Paris. Si vous passez par Paris et vous avez besoin de vous arrêter, vous pouvez vous arrêter dans ce merveilleux refuge.
nos centres de pratique, comme ici par exemple, c'est un îlot aussi qui est un refuge. Et ce matin, je veux vous parler de six pratiques merveilleuses qui sont comme un peu. Et dans la, c'est comme un bateau qui va nous emmener sur l'autre rive. Hein. C'est-à-dire, on se trouve sur la rive de la confusion, de la peur, hein, de l'anxiété, de la colère, hein, de la tristesse, du désespoir, hein, de la dépression. Et on a envie, on voudrait passer sur l'autre rive, hein, la rive de la paix, du bien-être, hein, du contentement, de se sentir en sécurité, de sentir avoir l'esprit clair, hein, de savoir quoi faire. Hein. Et donc, il y a de nombreuses pratiques, mais ce matin, je vais parler de six pratiques qui sont un peu comme un bateau qui va nous amener, nous aider à aller sur l'autre rive. Hein. Et ça s'appelle les six paramitas. Les paramitas, paramita en chinois veut dire passer sur l'autre rive. Hein. En fait, c'est un bateau qui représente la sagesse qui nous mène à l'autre rive. Donc, je vais un peu partager sur cela ce matin. Et je vais inviter ma sœur à écouter un son de cloche. Elle va l'écouter, mais elle va l'inviter. Et nous tous, nous allons revenir à notre respiration pour écouter le son de la cloche. Et je vais me lever pour dessiner, et je vais laisser mon âme d'enfant sortir pour dessiner une rivière. Mais avant de dessiner, avant de me lever, je voudrais partager quelque chose. J'aime beaucoup Pierre Rabhi, et je pense que beaucoup d'entre vous connaissez ce merveilleux sage qui est un amoureux de la terre-mère, comme notre maître. Et récemment, je l'écoutais offrir un interview et il racontait une histoire. Il disait que la Terre-Mère, elle a pris des millions, des milliards d'années pour se faire belle. Elle a pris beaucoup de temps et puis elle s'est changée de forme parce que ça ne convenait pas. Et puis plein de choses, d'éléments, de conditions qui ont fait pour se rendre très belle et magnifique. D'ailleurs, si on se tourne vers les fenêtres, on peut voir sa beauté. Donc, elle s'est rendue très belle et puis elle s'est dit, mais j'ai besoin de quelqu'un pour m'admirer, pour me voir. Hein. Et elle a créé l'espèce humaine pour l'admirer. Mais est-ce qu'on a la capacité de la voir, hein, et de l'admirer? Est-ce qu'on est vraiment présent pour pouvoir l'admirer? Mais si vous êtes tous là, vous avez goûté la pratique de la pleine conscience. Hein, et donc, je suis sûre que vous tous, vous avez pu déjà toucher et rentrer en contact avec sa beauté. Et donc, la Terre-Mère est très heureuse, hein, que vous l'admiriez. Donc je vais dessiner une rivière. Je vais essayer du moins.
Alors d'un côté de la rive, peut-être on va mettre des arbres. Et au milieu de la rivière, on va faire un îlot. Un îlot, on peut l'appeler un îlot de beauté. Voilà. Et donc, on a envie de passer sur l'autre rive. Hein. Donc, et on va construire un bateau et on va le construire avec différents matériaux, différents éléments, dont 6 éléments. Et le premier élément, et là je vais faire le bateau. On va faire un bateau à rames. Ça peut être toute autre sorte de bateau. Et donc, un des premiers éléments de notre bateau, s'appelle Virya. Virya Paramita. Et qui veut dire le zèle ou énergie. Et en fait, c'est 6 composantes du bateau, en fait, forment un ensemble. En fait, c'est ensemble, le bateau sera fort et solide pour nous emmener sur l'autre rive. Et ils se contiennent les uns les autres, hein. C'est-à-dire dans ce premier élément, les autres aussi sont contenus. Et quand on pratique, on les voit les uns dans les autres. Hein. Donc ce matin, en fait, on pourrait commencer avec n'importe lequel des éléments, mais ce matin, j'ai eu envie de commencer avec Virya. Hmm. Et Virya Paramita, c'est-à-dire d'avoir la capacité de s'entraîner à avoir la capacité de reconnaître qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous, qu'est-ce qui est en train de se passer à l'intérieur de moi. Donc, par exemple, je peux reconnaître qu'à l'intérieur de moi, il y a peut-être une peur, hein, ou l'anxiété, ou une irritation qui est là en moi. Qu'est-ce qui est en train de se passer en moi? Ou alors, tout simplement, je me sens bien, je me sens à mon aise, je me sens joyeuse. Et là, on va s'entraîner à reconnaître, et particulièrement reconnaître quelque chose qui fait qu'on retombe toujours, on refait toujours la même chose. Ce sont nos énergies d'habitude. On est entraîné par nos énergies d'habitude depuis qu'on est tout petit, des énergies d'habitude qui nous ont été transmises par nos parents, nos familles, nos amis, l'école, la société, les choses que l'on lit, que l'on regarde. Et donc on est comme dans un espèce de train qui nous amène. Et là, le train, quelquefois, les trains, un train à haute vitesse, et ça va très très vite, et une énergie d'habitude qui est très forte en nous tous, c'est de courir, d'aller vers le futur, toujours aller vers l'avant. On va vers l'avant. Et c'est une énergie d'habitude très forte qui nous empêche de vraiment goûter la vie et d'être vraiment vivant et là. Je suis là et pas ailleurs. Et donc c'est une énergie d'habitude qui est très importante de reconnaître
en nous. Donc, on cherche le bonheur dans le futur, c'est-à-dire on cherche sur l'autre rive, ailleurs, là-bas, plus tard, dans le futur, ce sera le bonheur sera là. Et en fait, toutes ces pratiques, la pleine conscience, nous aide à réaliser que le bonheur, il est dans l'ici et le maintenant, pas dans le futur, mais c'est ici et maintenant. On va pouvoir le trouver. Et il y a pas mal d'années maintenant, mais peut-être certains d'entre vous l'avez vu. Et c'est un film qui est resté très... Normalement, j'oublie les films que j'ai vus, je ne me souviens pas. Mais c'est un film qui m'a beaucoup marqué. C'est, en anglais, c'est Groundhog Day. Et en français, c'est Un jour sans fin. Et c'est un film qui est très bien, qui parle vraiment très bien des énergies d'habitude. Et qui est très intéressant, qui est très bien fait. Si vous avez l'occasion de le voir, je vous le conseille. Et la dernière fois, dimanche dernier, ma grande sœur, sœur Tounie, a parlé des semences et de la conscience du tréfonds. Je ne sais pas si vous vous souvenez, tous les amis qui étaient là. Et elle n'a pas fait le dessin, mais là, je vais le faire. Ici. Donc, à l'intérieur de notre tréfonds, nous avons toutes sortes de semences, bija en sanskrit, toutes sortes de graines. Et quand elles rentrent en contact avec certaines choses, certains éléments, elles vont monter. Par exemple, si la peur est touchée, bon, récemment il y a eu un attentat de nouveau, et ce qui fait que la peur, je suis sûre qu'a été touchée dans beaucoup d'entre nous. Donc, ce qui va se passer, c'est que la peur va monter dans notre mental. Et qu'est-ce que je fais avec cette peur? Elle peut envahir mon mental. Elle est là et elle peut envahir mon mental. Donc, la chose la plus importante, c'est de faire grandir la graine de pleine conscience et donc de voir, oui, j'ai peur, je reconnais, j'ai peur, j'accepte que j'ai peur. Et de là, on l'embrasse, on en prend soin. Oui, j'ai peur, je respire avec. Et on peut donner de l'espace pour être, au lieu de la mettre de côté, de la refouler. Et il y a, pour cette pratique qui est très importante, c'est comment est-ce que je me... nourrie. Comment est-ce que je nourris toutes ces graines qui sont en moi? Sœur Tounie m'avait à expliquer, et je vais juste résumer de nouveau, ce sont quatre choses essentielles, et c'est ce qu'on appelle le zèle, l'énergie, virya paramita, c'est aussi l'effort juste, la diligence juste. Ce n'est pas de se forcer à faire des choses ou à pratiquer, mais ou de se juger ou se blâmer. Mais tout simplement, c'est de reconnaître qu'est-ce que je mets en moi, qu'est-ce qui, avec quoi je viens en contact avec. Et c'est, ce n'est pas uniquement dans notre esprit, parce que ces graines-là, c'est notre corps et notre esprit. De quoi je nourris mon corps, parce que comment va être mon corps? Mon corps va influencer mon esprit va influencer mon corps. Donc, et ces quatre façons, c'est reconnaître quand des graines, ce qu'on peut dire, malsaines ou négatives, ou qui nous font souffrir, comme la colère, la peur, la jalousie, la confusion, quand elles se sont manifestées,
comment les faire redescendre, ne pas les laisser nous envahir. Si on les laisse nous envahir, on va ruminer, les mâcher encore, et ça va devenir immense dans notre... ça va complètement envahir notre esprit. Donc les graines... Ensuite, donc les faire redescendre. Ensuite, les graines négatives qui se trouvent là, on sait qu'elles sont en nous, et c'est de ne pas les faire grandir en nous et les faire venir, c'est-à-dire d'être attentif à ce que l'on lit, ce que l'on regarde, nos conversations. Donc, c'est les laisser dormir. La troisième, c'est les graines saines ou positives, pouvons dire. Qui sont déjà manifestées, c'est les laisser... les faire grandir de plus en plus en nous. Les faire s'épanouir, hein. Par exemple, aller marcher dans la nature, hein. Lire des choses inspirantes, hein. Écouter des enseignements. Je vais assez vite sur ce sujet. Ensuite, les graines positives non manifestées. Donc, essayer de les faire se manifester. On va écouter un son de cloche. Alors, qu'est-ce que je peux faire si je reconnais que j'ai une énergie d'habitude qui est un peu, on appelle négative, mais en fait, toutes les graines, c'est nous qui portons un jugement, ou qu'on peut voir, en fait, cette énergie d'habitude, je ne me sens pas vraiment bien avec. Hein. Mais quelquefois, on a une énergie d'habitude et on trouve que ça va bien, jusqu'à ce que l'on fasse l'expérience que... ça ne me rend pas vraiment très heureux et très bien. J'ai la sensation de... Il y a un vide en moi où j'ai perdu la joie. J'ai plus tellement de joie. Donc, c'est faire l'expérience de faire quelque chose d'un peu... de faire quelque chose de différemment. De découvrir autre chose. Donc, il y a quelque chose qui est assez facile et... hier soir, je parlais avec ma fille. Hein. J'étais mariée avant de devenir nonne. Hein. Et j'ai une fille qui a 33 ans et qui pratique également. Et elle me parlait de sa propre pratique par rapport à comment elle fait pour transformer ses énergies d'habitude. Et les derniers mois, elle a décidé de se donner comme des buts où elle va pour regarder ses énergies d'habitude. Donc, pendant un mois, au moment du carême,
enfin c'était plus qu'un mois, donc pendant 40 jours, elle avait décidé de ne pas manger de produits laitiers. Et donc, elle était venue ici pendant cette période-là, et donc, bon, ici on ne sert pas de produits laitiers, mais donc elle ne mangeait plus du tout de produits laitiers. Et donc, maintenant, elle a recommencé, mais elle me disait qu'elle, sa façon de manger des produits laitiers, d'abord, elle en mange beaucoup moins, parce qu'elle voit aussi l'impact que ça peut avoir sur l'environnement. Mais elle s'est aperçue, en fait, elle mangeait les produits laitiers, en fait, c'était une compulsion. Elle ne s'apercevait pas qu'elle mangeait, elle juste mangeait par énergie, d'habitude, comme cela. Et là, après qu'elle ait terminé avec ça, elle a décidé, et elle est encore en train de faire cela, elle a presque fini, un mois sans sucre, sans manger de sucre raffiné, elle mange des fruits. Et elle me disait, bon, il y a quelques jours, elle me disait, le chocolat me manque, I crave for chocolate. J'ai une envie très très forte de chocolat. Et elle disait, les autres sucres, ça va, mais le chocolat, c'est difficile. Et elle disait, mon corps, il en a besoin. Et je lui disais, ben, dans le chocolat, il y a du magnésium. Tu devrais regarder, peut-être tu manques de magnésium. Tout simplement, essaye. Et donc hier soir, elle me disait, elle a fait ce que maman lui avait dit. Toujours comme ça. Et elle a essayé, et puis elle me disait, waouh, maman, c'est fantastique. Depuis au moment où j'ai pris du magnésium, j'ai plus du tout envie de chocolat. Donc elle s'est aperçue qu'en fait, son corps lui demandait, quelque chose. Et là, elle voit bien la différence donc, dans son corps, sa peau, comment elle se sent. Elle se sent beaucoup plus à l'aise, avec beaucoup plus d'énergie. Parce que le sucre, en fait, ça l'alourdissait, ça lui pesait, en fait, sentait que ça rendait pas son corps sain. Et là, elle en fait l'expérience. Elle est presque à la fin du mois et elle ressent en elle-même. Donc, elle disait, bon, quand elle va finir, bien sûr, elle sait qu'elle remangera un peu de chocolat, mais elle ne mangera plus avec ça ne sera plus compulsif comme ça. Et puis alors elle me disait, elle pense déjà parce qu'elle trouve que ça fonctionne tellement bien et que c'est pas quelque chose qu'elle impose sur elle, et de se donner une période courte, un mois, c'est pas trop, c'est très bien, ça fonctionne très bien. Donc le prochain, elle m'a dit, au lieu que ce soit la nourriture, maintenant je vais faire avec mon téléphone, parce que bien sûr tous les téléphones maintenant c'est... on a tout l'accès à l'Internet, on peut passer des heures et des heures avec ce téléphone. Donc elle me disait, je vais décider de juste me servir à certaines heures. Donc c'est très facile d'amener la pratique aussi dans notre quotidien, se motiver. On peut aussi, notre corps, on a nos énergies d'habitude par rapport à la nourriture comestible, et de se rendre compte de nos énergies d'habitude, comment l'on mange, parce que la nourriture que l'on mange peut affecter notre pensée. Si on mange une nourriture grasse, lourde, le soir particulièrement, notre nuit ne sera pas du tout la même. Le lendemain, on va se réveiller, on n'aura pas envie de se lever, par exemple pour la méditation, on n'aura pas le courage, on sera trop fatigué, notre esprit sera confus. Donc ce que l'on met dans notre corps, si on est fatigué aussi, on est plus facilement irritable. Donc d'être en contact avec notre corps, on va prendre conscience que notre esprit n'est pas aussi clair. Et que si ça nous... moi personnellement, j'aime bien avoir l'esprit plus clair et alerte. Et donc j'essaye souvent, la plupart du temps, j'aime bien ne pas manger le repas du soir, parce que je sais que pour moi, je me sens beaucoup mieux. Mon esprit est plus clair le matin. J'aime beaucoup me sentir fraîche et pleine d'énergie. Donc, c'est faire sa propre expérience. Mais chacun d'entre nous, nous avons notre propre vécu et notre propre expérience. Donc, c'est soi-même d'explorer et de trouver ce qui est bien pour nous. Le prochain
Et ce que je vous invite, c'est à explorer ces paramitas, hein, parce que c'est très vaste, en fait, comme sujet. Donc, moi, je vous donne un peu les matériaux, mais c'est à vous de les explorer, parce qu'en fait, ce sont des matériaux où on va très profondément dedans et on découvre plein de trésors. Hein. Donc, je vous invite à explorer Virya Paramita. Le deuxième élément du bateau, que j'ai envie de parler de, c'est Dhyana Paramita. Qui est la méditation. Alors, c'est un élément qui va nous permettre, tout comme Virya, qui nous permettra de passer à la rive de la clarté, du bien-être, de la paix. Et je suis sûre, pendant votre séjour ici, vous avez entendu, on vous a parlé de la pleine conscience, de l'arrêt, de retourner à un calme intérieur, hein, et que l'on dit samatha, et vipassana, le regard profond, de pouvoir regarder profondément dans les choses. Et pour pouvoir le faire, hein, bien sûr, on a besoin d'arrêter la course, cette course perpétuelle d'aller vers l'avant, de chercher ailleurs, hein, de courir. On est poussé, et on fait plein d'activités, on se distrait, on a du mal à rester, d'être dans le moment présent, d'être vraiment là. Et qu'est-ce qui est essentiel pour nous? Dans les textes pali, on donne l'exemple de la méditation de notre esprit avec un éléphant sauvage. Donc c'est un éléphant sauvage et on décide de l'apprivoiser. Et pour l'apprivoiser, ça ne va pas se faire comme cela tout seul. Donc l'exemple qui est donné, c'est qu'on va mettre une corde autour de l'éléphant, et puis une corde assez solide, et accrocher la corde à un poteau. Et petit à petit, bah, l'éléphant au début, c'est un éléphant sauvage, donc au début, il est pas du tout content, il s'agite, il tape dans tous les sens. Mais petit à petit, ben, il va se calmer, il va se ralentir, et à ce moment-là, on va pouvoir l'approcher, le caresser, le comprendre, être proche de lui. Donc l'éléphant représente notre esprit, notre mental, hein, qui court toujours, qui s'agite, qui est confus. Et la corde représente la pleine conscience. Et le poteau représente notre objet de méditation. Qu'est-ce que l'on va choisir? C'est toujours la pleine conscience de quelque chose. Donc là, ça va être, on va choisir, et on vous dit tout souvent, on vous dit retournez à votre respiration. Et donc c'est là, le poteau va représenter, par exemple, l'objet de notre méditation va être la respiration. Mais aussi, c'est important que vous sachiez que pour certains, c'est difficile d'avoir comme objet de méditation la respiration. Et c'est important d'accepter, pour l'instant, j'arrive pas à connecter avec ma respiration. Et donc, nous pouvons choisir un autre objet de méditation, et petit à petit, avec douceur, avec ouverture, il y aura un contact avec la respiration qui pourra se faire. Et donc, c'est très important dans la pratique de ne pas se pousser, se juger. Et de dire, mais moi, j'y arrive pas. On me dit de retourner à ma respiration. Mais pour moi, c'est très difficile. Hein. J'ai une de mes sœurs qui me partageait que pour elle, c'est très difficile de retourner à la respiration. Parce que quand elle était petite, elle a eu des souffrances par rapport à respirer, et c'était trop dur
pour elle, et quand on lui disait retourne à sa respiration, immédiatement ça rentrait en contact avec une graine de souffrance profonde en elle. Et donc c'était très difficile pour elle de revenir à sa respiration et d'entendre reviens à ta respiration. Pour elle, ça faisait l'effet inverse. Donc elle a trouvé d'autres. Retourner par exemple aux sensations du corps. Par exemple, ce matin, comme je vous disais, de marcher dans l'herbe humide, j'amenais mon attention à mes pieds et au contact de l'herbe. Donc, il y a différentes choses que l'on peut faire ainsi. Reconnaître la sensation de chaleur ou de froid sur nos mains. Mais pourquoi on choisit la respiration comme objet de méditation? Pourquoi c'est dans beaucoup, beaucoup de traditions, la respiration est choisie? Est-ce que vous savez pourquoi? Je vous fais travailler un peu pour vous réveiller un petit peu. Est-ce que vous savez pourquoi on choisirait la respiration? À votre avis, oui? Oui? C'est toujours dans le moment présent et injugeable. Et ça, c'est très bien, oui. Quelqu'un d'autre? Oui, c'est quelque chose que l'on ne fait pas, mais qui se fait automatiquement. Oui, c'est une expérience directe, on n'a pas besoin d'y penser. La respiration, elle est bon marché, n'est-ce pas? C'est gratuit. Elle est disponible 24 heures sur 24. Elle est disponible pour nous depuis notre naissance jusqu'à notre mort. Donc, et elle est commune à tous les êtres. Pourquoi la respiration est choisie comme objet de méditation? On la porte partout où l'on va. Partout où on va, n'importe quel endroit où l'on va, elle est toujours là. Vous le savez? Oui? Non? Oui? Est-ce que c'est vrai ce que je dis ou c'est pas vrai? Que la respiration est toujours là, n'importe où l'on va? Oui? Et donc la respiration, elle nous permet de retourner dans l'ici et le maintenant. Dès qu'on est en contact avec notre respiration, systématiquement, immédiatement, on est dans le moment présent, dans l'ici et le maintenant. Tout de suite. Donc c'est pour ça que l'on s'entraîne à revenir à la respiration. Revenir. J'inspire, je sais que j'inspire. Je sais, je le sens. Je sens mon corps qui respire, qui inspire. J'expire, je sais que j'expire. Et comme notre sœur ce matin, j'ai bien aimé comment elle disait, j'inspire, je sais que j'inspire, et j'accompagne mon inspiration, j'accompagne mon expiration. Voilà, sur tout son parcours. Vraiment revenir. Et quand on fait ça, on va lâcher le tumulte, la rivière tumultueuse, l'émotion dans laquelle nous sommes emportés. Ça va nous permettre, petit à petit, on va pouvoir traverser sur l'autre rive. Notre bateau va nous permettre de traverser sur l'autre rive. La respiration aussi nous montre notre connexion avec la nature, avec tous les êtres vivants. Avant-hier, nous avions un partage, et je veux juste vous partager quelque chose qu'un ami a dit, et que j'ai trouvé que c'était magnifique, car je faisais faire un petit exercice au groupe, où je disais de rentrer en contact avec sa propre respiration, et puis ensuite de sentir la personne à notre droite respirer, et la personne à notre gauche respirer. Et puis on a continué un petit peu aussi les personnes tout autour, et la nature, les oiseaux. Et ensuite, notre ami a partagé qu'il était assis à sa droite, donc il était retourné à sa respiration, puis après il avait pensé à la respiration de la personne à sa droite. Et la personne à sa droite est enceinte, elle est enceinte, donc de plusieurs mois, et donc il a pensé, je respire pour ma voisine de droite et je respire aussi pour le petit bébé qui est là, parce qu'ils n'étaient pas deux, mais trois, et que, parce que sa maman était partie respirer avec sa personne à la droite. Donc il fallait que lui, il respirait
pour le petit bébé et pour sa maman. Et j'ai trouvé que c'était très beau comme image. Donc c'est notre respiration, en fait, ça paraît très inintéressant et mondain. Bon, ben quoi, on respire, c'est normal. Hein. Mais en fait, quand on a un rhume ou le nez bouché, on s'aperçoit comment c'est fantastique de respirer. Et on peut, au fur et à mesure, avec la pratique, au fur et à mesure des années de la pratique, on va voir toutes les variations, les subtilités de chaque respiration. Elle n'est jamais la même, hein. Elle est toujours différente. Hein. Et c'est la respiration, c'est comme une symphonie. Donc c'est pour ça que c'est un objet de méditation qui est choisi. Qui est choisi. Donc c'est une dhyana paramita, donc c'est un élément du bateau que on est invité à faire. Donc c'est prendre du temps dans la journée de retourner à notre respiration. Et avec la pleine conscience, ici vous êtes arrêté avec le son de la cloche, avec le son de l'horloge. On vous encourage, vous pouvez vous arrêter à n'importe quel moment dans la journée. Mais ce qui est important dans la méditation, et moi je vois moi-même pour ma pratique de méditation, je pratique la méditation depuis plus de 40 ans, et ce qui m'a beaucoup aidé, ça a été la régularité, d'avoir une régularité. Si on se dit, oh, peut-être je vais faire, tiens, un jour je vais méditer, puis le lendemain je ne vais pas m'asseoir, ou je ne vais pas faire des pas en pleine conscience, pratiquer la marche, l'esprit il va nous remporter dans l'oubli. Donc c'est d'amener une régularité qui nous apportera une stabilité dans la pratique. Donc c'est choisir des moments dans la journée, soit le matin, quand on se lève, ou le soir, quelques minutes. Et c'est bien, si vous commencez, de ne pas prendre un temps trop long. Au début, on peut prendre quelques minutes, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Et ensuite, on trouvera tellement de joie que ça deviendra beaucoup plus facile. Mais c'est la pleine conscience, parce que souvent, surtout actuellement, on est beaucoup d'entre vous, vous êtes très très occupés. Donc vous vous dites, mais je n'ai pas le temps de m'asseoir. Mais on peut amener la méditation à n'importe quel moment de la journée. Et quand on attend dans des files d'attente, quand on est au feu rouge, on va traverser, ou on est en voiture, à la poste, à la banque, à l'aéroport. On a plein de moments comme cela où l'on peut revenir à nous-mêmes, à notre respiration, en marchant. On fait la marche méditative. Chaque pas nous permet de revenir dans l'instant présent. Chaque pas en pleine conscience. Et là, on va peut-être écouter un son de cloche, revenir à notre respiration. Ah, ok. Et je parle trop vite. On me dit que je vais trop vite, je suis trop prise d'enthousiasme, trop d'énergie. Excusez-moi pour mes sœurs qui traduisent et mon frère qui traduit. Merci. Donc, amener une régularité avec la méditation. Et une chose que l'on peut faire, c'est que tout le monde, la plupart d'entre vous, vous avez un téléphone portable, ou alors vous travaillez sur l'ordinateur, c'est de télécharger une cloche de pleine conscience. Et peut-être votre téléphone ou cette cloche va sonner toutes les heures, par exemple. Vous la mettez pour toutes les heures. Et chaque heure, vous vous arrêtez, et vous retournez à votre respiration comme 15 fois. Vous respirez 15 fois. J'inspire,
J'expire un, j'inspire deux, j'expire trois. Vous entraînez à compter pour être sûr que vous allez jusqu'à 15 comme ça. Et de prendre 15 respirations. Et si on fait cela toutes les heures, en fait, on aura à la fin de la journée, on aura médité un certain temps. Et on est dans l'autobus, on peut respirer ainsi. Mais si on programme une cloche de pleine conscience sur notre téléphone ou notre ordinateur, ça va nous rappeler. Parce que notre esprit, il est un peu sauvage, hein, comme l'éléphant. Et donc, c'est comment le ramener. Le troisième élément de notre bateau qui va nous permettre de traverser, c'est Shila Paramita. Ils sont les entraînements à la pleine conscience. Les cinq entraînements à la pleine conscience. Et j'espère, et je sais qu'ici, au Hameau du Bas, nous avons eu un partage sur les cinq entraînements à la pleine conscience. Et j'imagine que tous nos amis au Hameau du Haut ou au Hameau Nouveau, probablement aussi vous avez entendu parler des cinq entraînements à la pleine conscience. Et ce sont des pratiques, concrètes et merveilleuses. Qui vont nous guider, nous permettre dans notre quotidien de pouvoir renforcer notre bateau et que notre bateau soit assez solide pour passer de l'autre côté de la rivière, sur la rive de la non-peur, de la paix, quand on est pris dans le tumulte de nos émotions, ou même si c'est une petite émotion ou une souffrance. Donc, dans les cinq entraînements à la pleine conscience, vous vous souvenez du premier ? Quel est le premier entraînement ? Respect de la vie, protéger la vie, c'est-à-dire, bien sûr, ne pas tuer, mais c'est aussi protéger l'environnement dans lequel on se trouve. Hein, qu'est-ce que... de voir la nature tout autour de nous, de voir les personnes autour de nous, de protéger les animaux. Donc de reconnaître dans notre façon de nous nourrir. Hein. Et si on regarde toutes les différentes graines, comment est-ce que je me nourris avec de nourriture comestible, hein, mais aussi par... toutes les différentes pensées que je peux avoir, hein. Une pensée de violence, hein. Une pensée qui est en colère contre quelqu'un et qui dit « Oh, j'aimerais que cette personne n'existe pas parce qu'elle me fait souffrir », hein. C'est une pensée qui tue. Donc c'est de reconnaître, d'être en contact avec ce qui se passe à l'intérieur de nous, protéger la vie. Le deuxième entraînement à la pleine conscience, hein, c'est le bonheur véritable, ne pas prendre ce qui ne nous appartient pas. J'aime bien l'expression de Pierre Rabhi, la sobriété heureuse, de voir que nous avons suffisamment, nous avons assez, on n'a pas besoin de posséder plein de choses. En fait, ça nous alourdit, ça nous fatigue plus qu'autre chose d'avoir trop de choses. Donc de retourner vers une vie simple, vers un contentement de ce que l'on a. Et ainsi, ça autorise les autres à vivre. Le troisième entraînement à la pleine conscience, l'amour véritable. Le respect des autres avec une sexualité responsable. Le quatrième entraînement, la parole aimante, parole non violente, la parole compatissante, l'écoute profonde, écouter avec compassion ce que l'autre a à dire. Le cinquième entraînement, c'est avoir avec la consommation, reconnaître ce que l'on consomme. Et c'est avoir aussi avec toutes ces différentes graines et semences, hein, qui sont en nous. Donc de pratiquer tous les entraînements à la pleine conscience,
notre bateau, pour pouvoir passer sur l'autre rive, va devenir fort, stable. Et il va nous permettre de nous de passer sur la rive de la liberté. Donc ça, c'était le troisième élément du bateau. À explorer plus profondément. Le quatrième, quatrième élément, on va chanter. Paramita. Et la patience. Notre maître aime le traduire comme l'inclusivité. Donc c'est être patient, patient avec nous-mêmes, patient avec les autres. C'est-à-dire ne pas imposer notre idée du bonheur ou notre idée comment devraient être les autres pour me rendre heureux. Les autres doivent être ainsi pour que je puisse être heureux. Donc c'est avoir de la patience. La patience, c'est reconnaître qu'est-ce qui se passe en soi-même et accepter. Oh, je suis en train de passer à travers une émotion qui me bouscule, et ne pas se juger ou se blâmer, ne pas juger ou blâmer l'autre non plus, mais comprendre si l'autre passe à travers une colère, par exemple, c'est essayer de comprendre sa souffrance, pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé en lui, pourquoi la personne ou en elle, pourquoi la personne agit ainsi. Donc avoir la capacité d'élargir notre cœur, pour accepter que nous-mêmes nous passions accepter, si j'ai de la colère en moi, d'accepter que j'ai de la colère en moi, de comprendre d'où vient cette colère, ou d'accepter que j'ai de la peur en moi, d'où vient cette peur, et de traverser, donc on traverse la rivière, j'ai traversé la rivière de la peur, ou la rivière de la colère, et ne pas et toutes ces différentes pratiques. Donc ce bateau va nous permettre de traverser, au lieu d'être pris et emporté dans le torrent, dans le torrent de la peur ou le torrent de la colère. Donc je vais traverser, c'est-à-dire ce n'est pas refouler et prétendre que ce n'est pas là. Oh, mais moi j'ai pas de colère, jamais, je suis quelqu'un, j'ai jamais de colère. Est-ce qu'on est sûr de ça? Si on se trouve dans une des situations difficiles, on va voir que, en fait, la graine de colère, elle est enfouie à l'intérieur de nous. Nous tous, nous avons une graine de colère ou la graine de peur. Nous tous, nous l'avons. Et c'est savoir que si des conditions sont suffisantes, elle se manifestera. Et donc, c'est comprendre. Peut-être, nous, on a eu des conditions où des parents qui étaient très aimants, peut-être une société autour de nous qui nous a... on a reçu beaucoup d'attention, d'amour, on était dans un pays en paix, mais si on se trouve dans un environnement qui est totalement différent, un environnement de violence, de peur, les parents n'étaient pas présents, ou nous ont maltraités ou abusés physiquement, moralement, à ce moment-là, peut-être la graine de colère en nous sera beaucoup plus forte et amènera peut-être des actes de violence. Donc c'est de comprendre de comprendre et d'accepter qu'est-ce qui est là en moi et qu'est-ce qui est là en autre, d'ouvrir notre cœur, élargir notre vision, notre vue. Dans l'enseignement, une chose qui nous aide, qui peut nous aider beaucoup, qui moi personnellement m'aide beaucoup et qui nous aide beaucoup. Et pour revenir aussi à ma fille aussi, elle me le mentionnait hier, et c'est la deuxième flèche. On dit, quand on a une... par exemple, j'ai une douleur physique. Par exemple, j'ai mal
un côté de mon corps, disons j'ai mal à l'endroit du foie, mon foie me fait mal. Donc il y a une douleur qui est là et c'est réel, la douleur est réelle. Donc c'est une douleur, et c'est une flèche que je reçois, oh, ça fait mal. Et ça peut être aussi, donc on va prendre cet exemple physique, donc il y a la douleur. Et qu'est-ce que je vais faire avec? Est-ce que, ah oui, je reconnais que j'ai une douleur, j'accepte, ah oui, mon corps n'est pas bien, ben peut-être, et si je regarde, peut-être j'ai mangé des choses trop lourdes, ou j'ai bu beaucoup d'alcool, ou, et peut-être il y a des raisons qui sont là, qui font qu'il y a cette douleur qui est là. Mais est-ce que peut-être dans mon esprit, je vais commencer à me dire, oh, je suis sûre que j'ai un cancer. Toutes les personnes de ma famille sont mortes de cancer, donc c'est sûr que j'ai un cancer. Et là, notre esprit commence à ruminer, et là, c'est la deuxième flèche. C'est-à-dire qu'on va, nous-mêmes, nous nous infligeons une deuxième flèche et qui va amener une souffrance 100 fois supérieure à la première flèche. Donc c'est reconnaître cette deuxième flèche. Donc c'est là, on dit avec une douleur physique, mais ça peut être aussi avec notre la pensée ou ce qu'on le reçoit. Quelqu'un qui nous dit un mot, ou alors quelqu'un qui ne nous a pas souri, par exemple, où on se sent seul ou isolé ou rejeté ou mis de côté ou plein de différentes choses, ou quelque chose, on a été en contact avec un mot ou une situation et il y a une flèche, quelque chose qui nous a touché, une graine a été, la flèche a été dirigée. Et donc là, oui, et c'est reconnaître que j'embrasse. Je sais que c'est là, j'accepte, ça m'a fait mal, c'est une blessure, la personne m'a dit quelque chose et ça m'a blessée. Maintenant, qu'est-ce que je vais en faire? Et là, la deuxième flèche, est-ce que je m'envoie une deuxième flèche en disant, on peut juger l'autre en disant, oh, mais cette personne, elle a mauvais caractère, ou cette personne comme ceci, ou comme cela, nos perceptions vont venir tout de suite en route. Ou alors on va dire, ben oui, tu vois, tu es une imbécile, la personne a raison, ou toutes sortes de disques qui vont en sortir. Et ça, c'est une deuxième flèche qui va nous faire énormément souffrir, 100 fois plus que la première flèche. Donc c'est important de reconnaître et de voir combien nos perceptions transforment notre regard. Et donc c'est... se mettre à l'écoute et puis aussi sortir de nos zones de confort pour comprendre l'autre et écouter l'autre, rencontrer l'autre dans sa différence, dans son histoire et de comprendre que la plupart, c'est plus que 98 ou 99% de nos perceptions, la façon dont on perçoit le monde, c'est erroné. C'est basé sur notre histoire. Et donc, c'est bien de pouvoir changer de lunettes, venir avec un regard neuf. Et il y a une histoire que j'aime bien raconter, c'est quelque chose qui est vrai par rapport aux perceptions. C'est quelqu'un qui va dans un supermarché et il a fait tous ses achats, on va dire que c'est un monsieur. Et... il arrive à la caisse, et bon, c'est une caissière qui est là, et il choisit une ligne. Souvent, on peut se dire, oh, ben, je vais choisir cette ligne-là parce qu'elle est plus rapide et pas celle-là. Et donc, il se dit, oh, celle-là, ça va être assez rapidement. Et au moment où il arrive, il y a quelqu'un qui tend à la caissière un enfant, et la caissière le prend dans les bras. Et là, le monsieur commence à avoir tout un disque qui commence à venir dans sa tête. Oh, mais alors, je dois payer, je vais être en retard, ou mais qu'est-ce qu'elle fait, pourquoi elle parle avec cet enfant, et qu'est-ce que c'est, il commence à avoir un disque, mais il reconnaît ce disque qui est là en train de se passer dans sa tête, c'est un pratiquant de pleine conscience, donc il revient à sa respiration, et il se dit, mais ça va, je vais prendre ce moment et, pour revenir à ma respiration, revenir dans le moment présent, ça va. Et donc ça le calme un peu, il est bien, et donc il arrive à la caisse, hein, et
Et bon, il offre un sourire à la caissière et il lui dit quelques mots gentils, parce que comme il a retrouvé son calme, tu vois, il connecte, il ouvre son cœur et il dit à la caissière, oh, c'est un bel enfant que vous aviez dans vos bras, parce qu'elle a rendu l'enfant à la personne qui lui avait tendu, puis la personne était partie avec l'enfant. Et elle lui dit, ah, oui, c'est mon enfant, parce que son père est mort à la guerre, comme je dois travailler pour pouvoir m'occuper de lui, quelqu'un le garde, mais elle l'amène régulièrement me voir, pour que je puisse être en contact avec mon enfant et que mon enfant soit en contact avec moi. Donc, bien sûr, tout de suite, la perception fausse qu'on avait d'être en colère contre la personne, ça s'est envolé et parti immédiatement, parce qu'on a ouvert à l'inclusivité. Je vérifie avec mon frère et ma sœur, ça va ? Ça va, okay. Peut-être on va écouter un son de cloche, ça va leur donner un souffle. Ils vont pouvoir respirer. On a deux matériaux de plus pour que notre bateau devienne encore plus stable et plus solide pour nous amener à la rive de la liberté. Donc, avoir un petit peu plus de patience, quelques minutes de plus. Donc, le cinquième élément, c'est Dana Paramita. Qui veut dire le don ou la générosité. La générosité, le don. Et souvent, quand on pense générosité, on pense immédiatement à l'argent. Ouais, je suis généreux, je donne beaucoup, j'ai de l'argent, je vais donner beaucoup d'argent. Mais en fait, la vraie générosité, ce n'est pas l'argent. En fait, le don, si nous contemplons la nature, nous pouvons voir combien la nature est généreuse. Est-ce que vous pouvez reconnaître que la nature est très généreuse ? Est-ce que vous le voyez? Si vous ne le voyez pas, je vous invite à contempler, investiguer dans la nature, regarder la nature, regarder les arbres, les fleurs. Vous pouvez aller aussi visiter nos fermes joyeuses, nos jardins potagers, et voir combien la nature est généreuse, est abondante et nous donne tout. Et elle nous montre un exemple extraordinaire de ce qu'est la générosité. Et est-ce que on peut se poser la question, est-ce que l'on prend les choses pour acquis? Parce que malheureusement, la race humaine, notre espèce humaine, qui fait partie de plein d'autres espèces, a pris possession de la Terre. On prend contrôle de la Terre, de la nature. Donc on prend toutes les choses pour normal. Donc c'est retourner, de revoir, de voir que toute chose, tout ce que la nature nous offre est un cadeau merveilleux. Et nous, qu'est-ce que nous pouvons offrir comme cadeau? Quel est le cadeau le plus précieux que l'on peut offrir, que l'on puisse offrir? S'offrir à soi-même et offrir aux autres. Oui, il va falloir. J'ai un frère, à chaque fois que quelqu'un donnait une bonne réponse,
Ils donnaient un petit gâteau, mais je n'ai pas amené de boîte de gâteau avec moi. Mais oui, vas-y. Notre attention. Oui. Et notre temps. Notre attention et notre temps, oui, et tu voulais dire. Oui. Mais la pleine conscience, elle va nous permettre d'être quelque chose. Elle va nous permettre d'offrir quelque chose, oui. Oui, c'est cela, voilà. Merci. Notre présence, mais une présence, une vraie présence, hein, c'est-à-dire une présence véritable. Hein. C'est-à-dire que quand je vous regarde vraiment. Je vous vois. C'est-à-dire mon esprit n'est pas ailleurs. Hein. Quand je vous souris vraiment. C'est-à-dire d'arriver à voir, d'offrir sa présence. Or, la plupart du temps, notre corps est là. Alors, je suis là, vous êtes là, mais notre esprit est ailleurs. Et une des choses qui, avant de devenir nonne, j'ai une fille, j'ai été mariée, une des choses qui était un élément de souffrance avec mon ex-mari, donc le père de ma fille, hein, c'est que souvent, quand nous parlions, en même temps, il travaillait sur son ordinateur. Hein. C'est-à-dire, il était là, et, oui. C'était une des choses très difficiles. Et je sais que c'est quelque chose aussi qui a été pour ma fille aussi une source de souffrance, puisqu'elle me disait qu'elle, souvent, elle avait des conversations avec son papa, et elle trouvait que elle trouvait en tant qu'enfant que son père ne l'aimait pas. Il aimait plus l'ordinateur qu'elle. Parce que quand elle lui parlait, il restait sur son ordinateur. Donc c'est quelque chose de contempler soi-même. Est-ce que j'offre ma vraie présence à mes enfants, à mes bien-aimés, ou est-ce que je préfère l'ordinateur, hein? C'est à se poser la question, de voir, de regarder. Peut-être quand je parle avec mes bien-aimés ou une personne qui est là, je laisse l'ordinateur, peut-être, ou le téléphone, ou autre chose, mais d'être là, une vraie présence. Hein. Donc c'est un cadeau, c'est un don, c'est être vraiment généreux d'offrir sa présence les uns, pour soi-même aussi. Il y a quelque chose une émotion qui monte, une souffrance qui est là, une douleur, hein, et de prendre quelques instants pour revenir à soi-même, s'embrasser, se câliner, se dire « ça va, oh, ça a fait mal, là, j'ai mal. » Et je prends quelques instants pour s'occuper de moi-même. Et aussi, quand on a la capacité de faire pour soi-même, on a la capacité de faire pour les autres. Donc, on parle dans notre tradition avec les paramitas, si on parle des bodhisattvas. Ce matin, ici, au hameau du Bas, on a lu un texte sur... toucher de la terre, qui parle tous les bodhisattvas qui se sont élevés de la terre pour venir soulager la souffrance du monde. Le bodhisattva, c'est un grand être. Et nous tous, nous avons cette capacité d'être un grand être, c'est-à-dire de soulager la souffrance, notre propre souffrance et la souffrance de l'autre. Mais pour pouvoir le faire, nous avons besoin d'avoir un bateau assez solide. Si notre bateau n'est pas trop solide et qu'on essaye de faire monter plein de personnes dans le bateau, peut-être que le bateau il va couler. Donc c'est pouvoir le rendre assez solide pour pouvoir soulager, aider d'autres. Une pratique que l'on peut faire pour avoir une vraie présence, qu'on veut offrir à nos bien-aimés, à la fin de la journée, quand vous rentrez chez vous et après votre travail, hein, c'est de prendre un moment de transition avant c'est-à-dire de faire quelques pas en pleine conscience de la voiture jusqu'à ce que vous rentriez, vous ouvrez la porte en pleine conscience, vous prenez quelques instants, vous prenez comme une douche de pleine conscience avant de retrouver vos enfants, vos bien-aimés, pour changer toute l'énergie qui a été accumulée, tout l'environnement, toutes les choses qui sont venues en vous pendant la journée, de se vider et d'offrir, revenir à nos pas, faire quelques pas en pleine conscience, quelques respirations. Et ensuite, on peut offrir sa vraie présence. Si c'était une journée difficile, en rentrant, on peut dire « Oh, maman ou papa a
a besoin de quelques instants. Et après, je serai là vraiment disponible pour toi. Et donc de savoir combien c'est important de faire cela. Donc c'est d'offrir notre stabilité, notre liberté, notre paix. C'est un cadeau. C'est la générosité, la vraie générosité. Donc, bien sûr, nous avons besoin de que notre corps et notre esprit soient là ensemble. Donc la respiration, le retour à la respiration, c'est la respiration qui est toujours là avec nous, elle est un élément très, très important, très puissant pour nous aider à revenir, à être vraiment présent. Et on peut utiliser comme notre corps est là, notre esprit est là, donc ils sont éloignés l'un de l'autre. Et c'est comment les réunir. Et puis là, on peut mettre la feuille de papier qui va peut-être représenter notre respiration. Et peut-être, petit à petit, on va en respirant, j'inspire, je sais que j'inspire. J'expire, je sais que j'expire. Et petit à petit, notre respiration, elle va nous aider. Parce que la pleine conscience nous amène, et plus proche, plus proche, plus proche. Et notre corps et notre esprit feront un, unis, et on sera là, alignés. On sera vraiment dans l'ici et le maintenant, à l'adresse de la vie. On sera vraiment vivant et présent pour les autres. Donc, la générosité qui est à explorer. Comment est-ce que je peux être généreux? La pratique des 5 entraînements à la pleine conscience, c'est un don. On offre protéger la vie. On offre un cadeau en protégeant la vie. On offre un cadeau pour toutes les enfants qui vont naître. Certaines d'entre vous ici, vous êtes enceintes, il y a des enfants qui vont naître. Quel monde leur laissons-nous? Qu'est-ce que l'on souhaite laisser? Donc c'est être généreux de prendre soin, de protéger, de comment est-ce que l'on utilise les ressources de la terre-mère. Donc c'est, tout cela, c'est la générosité. Et ensuite, le sixième élément de notre bateau qui va nous emmener à l'autre côté, de l'autre côté, sur l'autre rive. Non, je prends l'autre stylo. C'est... là, on avait fait... C'est Prajna Paramita. Alors traduit comme compréhension ou alors l'expression dire la sagesse qui nous mène à l'autre rive. Excusez-moi, j'ai perdu mon oreille. Là, oui. Donc la compréhension, c'est avoir un regard profond sur la nature des choses, hein. Se comprendre profondément, comprendre les autres, comprendre qu'est-ce qu'il y a dans une fleur, hein. C'est voir aussi la nature de l'interdépendance de toutes choses, ce qu'on appelle l'inter-être, de voir que l'on est connecté les uns avec les autres, tout est interdépendant, qu'on est en relation avec tout, qu'on a besoin des uns des autres, qu'on a besoin de la nature, qu'on est fait du cosmos tout entier, que le cosmos tout entier est à l'intérieur de nous.
que nous ne sommes pas du tout séparés. Donc c'est regarder profondément. On regarde à l'intérieur d'une fleur. C'est un exemple que notre maître utilise très souvent. Qu'est-ce que l'on voit à l'intérieur de la fleur, hein? Peut-être on voit juste, bon, ben, c'est une fleur. Hein? Bon, on la nomme, hein? On va la catégoriser. C'est une rose. J'aime les roses, j'aime pas les roses. Oh, ça sent bon? Non, ça sent pas bon. Pour certaines personnes, ils vont trouver une rose rouge. Hein? C'est magnifique. Hein? Mais d'autres dire, non, les roses rouges, ça me rappelle trop les enterrements, par exemple. Et j'aime pas du tout ça. Donc c'est voir qu'est-ce qu'il y a en fait, voir au-delà de l'apparence et de la forme. Donc, dans la fleur, on peut voir, il y a eu le soleil, hein, le soleil est là, il y a la pluie, il y a la terre, hein, il y a le jardinier, plein de choses que l'on peut regarder dans cette fleur. Hein. Un bel exemple, un très bel exemple, je vais remettre la fleur. Un bel exemple qui est donné aussi pour nous faire comprendre que nous sommes beaucoup plus, que nous sommes le cosmos tout entier est à l'intérieur de nous, que nous sommes beaucoup plus vastes que ce que nous pensons. C'est-à-dire quand on est pris dans le tumulte et le torrent de la rivière, qui est de nos émotions, de nos sensations, de nos difficultés, de nos anxiétés, inquiétudes, on a l'impression, on se réduit, qu'on est tout petit, mais en fait on est beaucoup plus vaste. Et un bel exemple qui est donné, c'est la vague. La vague et l'océan, la vague et l'eau. Donc, une vague se forme, hein, on peut voir, si on regarde sur l'océan, on peut voir les vagues se former. Et donc la vague, elle peut être très haute ou elle peut être plus basse. Hein. Elle peut nous paraître très belle ou moins belle. Et puis il va y avoir un début de la vague, et puis la vague, il va y avoir une fin. Mais la vague, en fait, elle est l'eau, elle est l'océan. Et donc, et quand elle sait qu'elle est l'eau et l'océan, elle est beaucoup plus paisible, plus calme, pour passer à travers les difficultés de la vie, pour passer à travers, traverser la rivière. Elle sait qu'elle a cette force, cette capacité, qu'elle est là, qu'elle est beaucoup plus vaste. Qu'elle n'est pas juste une petite vague toute seule, parce qu'en fait, elle va s'apercevoir, non, elle est en connexion avec tout l'océan, l'eau qui est partout. On va écouter un son de cloche et prendre quelques minutes de plus. Donc, au début de la pratique, notre bateau sera peut-être moins solide, hein, c'est-à-dire pour passer sur l'autre rive, la rive de la paix ou de la clarté, du bien-être, hein, du contentement, de la joie profonde. Hein, peut-être quelquefois on touchera un tout petit peu, notre bateau sera capable de nous amener sur l'autre rive, puis hop, on reviendra sur la rive de la confusion, ou de la colère, ou d'être pris dans les émotions. Et petit à petit, notre bateau, il deviendra plus fort, plus stable, et peut-être un peu plus rapide, au lieu de prendre plusieurs mois. Peut-être ça prendra quelques semaines pour nous sortir d'une émotion, ou quelques heures, quelques minutes. Donc ça se fait très progressivement. Et après, avec la pratique, peut-être juste... Et c'est possible pour chacun d'entre nous, un pas en pleine conscience, une respiration en pleine conscience va nous faire passer sur l'autre rive. Et une chose aussi qui est importante, c'est, comme je disais, l'exemple que j'ai donné quand ce matin je suis allée marcher, c'est qu'on va peut-être penser la rive de l'autre côté, c'est mieux.
de l'autre côté, c'est le paradis. Donc je vais chercher aller sur l'autre rive, parce que la rive sur laquelle je suis, ben non, elle n'est pas bien. Là, la communauté dans laquelle je vis, non, ça ne va vraiment pas. Hein. Là, mes sœurs ou mes frères, non, ça ne va pas. Je vais aller voir ailleurs, hein. Voir si ailleurs, ce n'est pas mieux. Ou nos amis, ou nos... Non, je vais aller voir ailleurs. Hein. Mais en fait, on va s'apercevoir que en fait, les deux rives, hein, elles ne sont pas séparées. Ces deux rives, elles sont là. C'est simplement notre propre attitude, nous-mêmes, hein, mon attitude intérieure, hein, qui va se transformer et changer. Donc là, c'est la compréhension, la sagesse qui va nous mener à l'autre rive. Hein. Et ce matin, en marchant, j'ai eu l'image qui m'est venue, parce que je me disais, on fait juste... donc on peut faire un pas... Et je suis sur l'autre rive, un pas en pleine conscience, une respiration. Et on passe de l'autre côté de la rivière. Hein. Et je me disais, parce qu'aujourd'hui, en France du moins, c'est l'Ascension. C'est un jour pour nos amis qui sont catholiques, hein, ou qui sont chrétiens. C'est l'Ascension, c'est un jour où Jésus est dit avoir laissé sa forme après sa résurrection. Et il est monté... Il a laissé ses disciples en leur disant, bon ben vous continuez à transmettre mon enseignement. Et donc en pensant à Jésus, il y a eu l'image qui m'est venue, mais Jésus, on dit qu'il a marché sur l'eau. Et le miracle de marcher sur l'eau. Mais en fait, peut-être tout simplement, il a traversé la rivière. Il est allé sur l'autre rive, hein, tout simplement. Et je me disais, ah, c'est un joli parallèle. Donc c'est... Ma propre joie du matin, de me dire, mais oui, c'est ça le miracle de Jésus qui marche sur l'eau. En fait, il a traversé la rivière, hein. Il avait la sagesse qui l'a mené à l'autre rive, hein, et qu'il a transmis à tous, hein, comme le Bouddha et comme notre maître Thaï, parce que en fait, la sagesse qui nous mène à l'autre rive, c'est dans la tradition du Mahayana, du Zen Mahayana. On a un sutra qui s'appelle le sutra de la compréhension parfaite, Prajnaparamita, qui est le sutra du cœur, hein, que l'on chante normalement tous les jours. Hein. Et notre maître, en 2014, avant de tomber très malade, hein, a réécrit le sutra du cœur d'une façon beaucoup plus compréhensive. Hein. Et il l'a intitulé la sagesse qui nous mène à l'autre rive. Hein. Et si vous ne connaissez pas, vous pouvez le trouver sur nos sites internet. Hein. Je fais une publicité d'aller sur le site du village, vous pouvez le trouver. Et vous pouvez trouver aussi l'explication pourquoi notre maître a changé certains mots pour avoir une compréhension plus claire et pas une erreur que, en fait, oui. Mais je vais arrêter là, parce qu'il est déjà 11h25. Hein. Donc, à découvrir, s'il vous plaît, explorer, et je vous encourage à pratiquer pour rendre votre bateau très solide, stable, très beau, comme vous aimez qu'il soit. Et aussi, j'ai oublié les îlots de beauté, le refuge. De temps en temps, on est pris dans une tornade, un torrent. On est en train de traverser la rivière, mais soudainement, la rivière était calme. Et soudainement, il y a quelque chose qui a été relâché, puis qui emporte. Et il y a un îlot qui est là, et on peut aller et prendre refuge. Donc l'îlot, ça peut être une amie ou un ami, simplement, qui va nous offrir... Sa main, sa présence, la sangha, donc combien c'est important d'avoir des amis de pratique autour de nous. On peut donner un coup de téléphone ou aller dire « Oh, ça ne va pas du tout, j'ai besoin d'un petit îlot, d'un refuge. » Mais ça peut être aussi tout simplement d'avoir dans notre journée, dans notre traversée quotidienne, de temps en temps on est un peu, c'est brumeux ou orageux. On a un îlot de beauté, donc on se tourne, on va marcher dans la nature, ou on s'arrête, on peut lire un livre qui nous inspire, regarder
quelque chose qui nous fait rire. Si on est triste, on peut voir un film drôle. Hein, ou regarder Groundhog Day, un jour sans fin. Merci beaucoup, chers amis, pour votre écoute et votre belle présence. Merci, chers amis. On va écouter 3 sons de cloche.